Bonjour à tous et bienvenue à ce cinquième webinaire organisé par le DU d'implantologie de l'Université de Corse en partenariat avec Eslich, BP Pharma et la collaboration de French Tooth. Donc aujourd'hui, nous donnons la parole à Giancarlo Bonjour à Bianca tous qui et enseigne au bienvenue. DU, qui a une pratique exclusive en paro et en implantologie chirurgicale à Marseille. Et Giancarlo est aussi le président de l'Académie européenne des implants céramiques. Aujourd'hui, il va nous parler de techniques d'augmentation osseuse au niveau de la mandibule postérieure atrophique et en nous donnant les raisons de son choix entre les greffes d'apposition et les ostéotomies segmentaires, essentiellement de rotation. Voilà, donc je vous rappelle que si toutefois vous avez des problèmes de connexion, il vaut mieux basculer sur Google Chrome, hein, vous auriez donc une meilleure qualité de connexion. Donc Jean-Michel, je te Oui, laisse la bonjour à parole. tous. Eh bien, je suis très heureux de partager cette conf avec Jean-Carl parce que dans cette étude qu'on mène ensemble, il y a quelques-uns de mes patients qui ont été traités et cela avec succès. Et donc, Jean-Carl, je vais m'occuper de poser des questions de nos amis qui sont connectés sans trop t'interrompre pour mener ce débat. À toi, Jean-Carl. Bonjour à tous. Merci Jean-Michel, merci Pascal. Voilà, c'est un exercice un peu nouveau pour nous de parler devant un ordinateur, mais on va essayer de partager avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque nous avons lancé une étude en 2014 sur ces techniques d'ostéotomie en zone mandibulaire postérieure. Donc, si l'on reprend les caractéristiques et surtout les étiologies de ces problématiques dans les zones mandibulaires postérieures. Ici, une situation d'une patiente qui a perdu ses implants suite à une périimplantite. On se retrouve bien souvent sur des cas d'échec implantaire, d'extraction complexe, de maladie parodontale, de kyste, de port de prothèse, et effectivement qui peut concourir à la résorption de cet os. D'un point de vue caractéristique anatomique au niveau des tissus mous, on sera dans une situation avec une muqueuse kératinisée extrêmement fine et délicate, des insertions musculaires du buccinateur qui vont se retrouver au niveau de la crête, ainsi que des insertions du myloïdien, donc un accès plutôt complexe et un plancher aussi buccal qui va vraiment nous embêter dans ce genre de procédure. Donc, d'un point de vue osseux, on se retrouve souvent avec une composante verticale et horizontale. Il nous faudra augmenter dans les deux dimensions, dans les trois dimensions, si possible. Et bien sûr, la proximité avec le nerf et l'émergence du trou mentonnier est un élément complexe pour mener cette intervention chirurgicale. En plus, on a un os très corticalisé. Donc, on est dans des situations extrêmes. Ici, donc, ce cas clinique, vous voyez la radiopanoramie qui montre donc les échecs implantaires dans la zone, dans le secteur 4. Et nous avons différents choix de techniques d'augmentation verticale que nous connaissons. Donc, la première en petit A, ce sont les greffes en nonné, donc d'apposition. Petit B, donc les régénérations osseuses avec des techniques telles que l'a décrit Isvan Urban en 2012, la Sausage technique, vous voyez en B, ou la technique de Mauro Merli, la FENS technique en 2013, ou la technique d'interposition que l'on appelle également technique sandwich, qui va nous permettre de maintenir une certaine vascularisation du greffon lors de son déplacement. Alors, je vais vous parler de deux études importantes, celle de Pietro Felice de Bologne, avec toute son équipe, qui ont fait le choix de comparer deux techniques de greffe en onlay et de greffe en interposition. Et ils se sont aperçus au niveau des résultats cliniques qu'il y avait un phénomène de 40% de résorption sur les techniques en onlay. Et que dans la technique d'interposition, on utilisait de l'os iliaque, qui n'est pas un os, qui est un os qui a tendance à se résorber. Ce greffon est tout de même moins exposé,
car mieux revasculariser dans la technique sandwich et on a de meilleurs résultats d'un point de vue taux de survie implantaire. Jean-Carl, excuse-moi, je peux te poser une question là, oui, concernant les greffes en onglet. Tu parles d'une résorption à 40% et dans la littérature, je crois que on a des propositions pour limiter cette résorption qui consiste à enduire le greffon en onglet d'os bovin déprotéiné et de le recouvrir l'ensemble avec une membrane de collagène. Ça serait éventuellement le moyen pour réduire la résorption. Est-ce que dans l'étude de Felice, on a utilisé justement cette technique d'apposition d'os bovin? Alors, dans cette étude, il n'a pas été décrit justement l'utilisation d'os bovin, de xénogreffe dans les techniques en onglet. Effectivement, ça pourrait être une solution pour réduire les phénomènes de résorption dans le sens vertical. Il y a d'autres études, notamment celle de Carlo Majorana, qui montrent de très beaux résultats sur ces techniques-là. Mais on est dans une situation là postérieure qui est quand même une situation beaucoup plus complexe. Je vais donc continuer avec cette étude de Matteo Chiappasco, qui en 2007 a démontré à utiliser donc deux techniques différentes, une technique en onglet et une technique de distraction alvéolaire. La technique en onglet a donné des résultats intéressants en termes de volume. Cependant, dans les années qui ont suivi, on a perdu 1 mm par an. Donc, au final, au niveau de la technique de distraction, on a des volumes qui se sont maintenus. C'est un os natif que l'on a déplacé avec un système de distracteur. Donc, cet os a été maintenu vascularisé. La technique de greffe en onglet, vous le savez, elle donne quand même une certaine morbidité au niveau des suites opératoires. Et les taux de succès ont été inférieurs ici, puisqu'on est à moins de 90% sur les techniques en greffe d'onglet par rapport à la distraction qui sont proches de 95%. Si on se réfère à des techniques d'apposition dans les zones antérieures qui sont tout de même beaucoup plus faciles d'accès, nous avons bien sûr de meilleurs résultats quand il s'agit d'épaissir les crêtes. Ici, une technique en 3D que nous avons réalisée. Et ce que vous voyez qui est essentiel dans les techniques de greffe d'apposition, c'est de voir ici des artérioles dans le greffon. Et c'est ce qu'on appelle l'angiogénèse qui permet un remodelage de votre greffon qui a été positionné ici sur le site d'une 23. Et donc, comme le souligne Matteo Chiappasco dans cette étude de 2006 qui compare la plupart des techniques de greffe osseuse que nous connaissons, il montre que les taux de survie sur les greffes osseuses par apposition sont moindres que pour toute autre technique, régénération osseuse, technique d'expansion ou distraction. Jean-Carl, j'ai une question là. Donc, dans une greffe comme ça non-lait maxillaire, c'est peut-être un os qui est moins corticalisé, on a peut-être de meilleurs résultats qu'en faisant des greffes en non-lait en secteur postérieur mandibulaire. Effectivement, ce que je disais pour expliquer effectivement la différence entre les zones antérieures et postérieures, c'est que là, la qualité osseuse est totalement différente. On a un os plus vascularisé, alors qu'au départ, j'expliquais que la particularité de la zone postérieure mandibulaire était un os très corticalisé, qui saigne beaucoup moins. Et aussi, l'accès de la technique dans la zone antérieure est beaucoup plus simple que dans une zone postérieure. Alors, qu'en est-il de la greffe d'apposition dans la zone mandibulaire postérieure? Donc, je vais vous montrer des cas cliniques que j'ai réalisés, puisque j'ai débuté il y a maintenant 25 ans l'implantologie et que j'ai eu largement le temps d'avoir de l'expérience. Et qui dit expérience dit échec. Et donc, j'ose vous montrer des cas cliniques personnels, puisque ici, vous voyez un cas de greffe d'apposition
en mettant le greffon en toit. La technique de Coury que nous avons adoptée, c'est une technique par tunnelisation qui nous a permis de positionner le greffon sans perdre la vascularisation du lombeau. La problématique, c'est que nous avons très peu de visibilité pour bien ajuster le greffon. Et lorsque j'ai mis en place mes implants à 4 mois, je me suis rendu compte que je forais dans un os qui était peu vascularisé et j'ai bien sûr perdu mes implants au bout de 2 mois. Donc finalement, nous avons opté pour la solution d'implant court de 7 mm ici. C'est un cas que j'avais réalisé en 2007 et aujourd'hui nous sommes donc à 13 ans de recul clinique qui montre que dans cette situation, nous préconisons et beaucoup d'auteurs le préconisent aujourd'hui quand nous avons 7 mm de positionner des implants courts et tel que le montre l'étude de Pietro Felice publiée en 2019 que vous voyez ci-dessous. Cette étude montre que, en comparant des techniques de greffe osseuse et des implants courts, au final, il y a plus intérêt à utiliser des implants courts dans cette configuration plutôt que des implants plus longs de 10, voire 13 ou 11 mm, où là, on a un certain nombre de complications. Une autre complication qui m'appartient, c'est une greffe d'apposition qui a été réalisée en 2003 dans le secteur 3, réalisée par un chirurgien maxillofacial, avec une greffe sous-syngénienne dans le secteur 1. Et lorsque vous regardez ce cas clinique que je suis aujourd'hui et que j'ai réussi à maintenir malgré tout, nous avons perdu la totalité du greffon et on se retrouve avec des spires au niveau des tissus avec des risques de périimplantite et de perte de ces implants. Fort heureusement, comme à l'époque j'utilisais des implants 3i hybrides avec une surface lisse, on est arrivé à stabiliser ces implants aujourd'hui. Alors, vous me direz, mais là on nous montre que des techniques effectivement avec des greffons en toit, sur la crête. La technique aujourd'hui décrite par Fouad Coury, c'est celle que nous montre ici une belle étude de Adi Antoun, qui est quand même un chirurgien très expert et qui nous montre dans ce journal de Paro et cette revue en 2012 un très joli travail de greffe en trois dimensions. Vous voyez une belle cicatrisation, très peu de résorption. Cependant, il nous décrit au final à un an cette rétro-alvéolaire, il nous dit que c'est constate une résorption osseuse. Alors peut-être est-elle liée à un problème de vascularisation, peut-être est-elle liée à la connectique des implants. En tout cas, on se retrouve avec une perte osseuse. Alors, je tiens à remercier Georges Coury parce que c'est lui qui a remis un petit peu, qui a remis au goût du jour ces techniques d'ostéotomie et notamment cette belle classification qu'il a publiée sur la même revue de parodontologie, le même numéro en 2012, où il nous parle d'ostéotomie segmentaire progressive, donc les techniques de distraction qui ont de très bons résultats tel que nous l'a décrit Matteo Capasco. Cependant, la problématique, c'est la mise en œuvre et mettre un distracteur dans une zone postérieure, c'est extrêmement complexe pour un patient et il faut activer tous les mois ces distracteurs. Donc, vous avez les ostéotomies segmentaires immédiates, donc celles dont on va parler. La première, ce sont les transversales ou expansions osseuses que vous connaissez, qui sont dans la catégorie des ostéotomies segmentaires immédiates. Et là, vous voyez donc deux cas cliniques avec pose d'implant immédiat ou pose d'implant différé. C'est la dernière sur laquelle je travaille principalement. Je vous avouerai que mettre des implants dans une technique de greffe, c'est quand même un corps étranger, un corps qui est inerte, plus les biomatériaux, pour moi, c'est une augmentation des risques de complications. Et en dernier lieu, dans cette classification donc, publiée par Georges Coury, il y a la technique donc, axiale ou de rotation qui permet donc, de sectionner un greffon
un segment pardon, à 2 mm du nerf alvéolaire et de le déplacer dans le sens vertical. Alors, si on voit la littérature, effectivement, en 75 et en 76, ces techniques d'interposition ont été principalement utilisées dans la zone symphysaire. Et c'est Jensen en 2006 qui a montré une belle étude rétrospective avec l'utilisation de ces greffons par interposition en utilisant de l'os rhamique dans la zone mandibulaire postérieure avec de très bons résultats et notamment un gain de 3 à 7 mm en hauteur. Cependant, à l'époque, on n'utilisait pas la piézochirurgie. Marchetti et collaborateurs ont eu également de très bons résultats en utilisant de l'os iliaque. Et là, l'équipe donc de Pietro Felici en 2009 reviennent avec cette étude comparant donc une technique d'interposition avec des blocs d'os bovin et avec par rapport à des blocs d'os iliaque. Donc cette technique, vous la voyez, incision décalé en vestibulaire de 2 à 3 mm, on est dans de la muqueuse et on vient interposer ce greffon d'os xénogreffe. La difficulté de la technique, effectivement, c'est de l'utiliser sous forme de bloc pour l'ajuster et le positionner. Donc, l'auteur décrit quand même un certain nombre de complications. Cependant, les résultats sont assez intéressants. On a d'aussi bons résultats dans la technique avec de l'os iliaque que dans la technique avec. Jean-Carl, pour que ce soit bien clair, là, pour que ce soit bien clair, excuse-moi. Est-ce que là, l'ostéotomie horizontale, elle est totale? C'est-à-dire que le greffon est désolidarisé de la partie inférieure mandibulaire et repoussé vers le haut, ou il reste ou bien c'est un greffon pédiculé? Alors, il est pédiculé, effectivement, il reste solidarisé avec le lambeau lingual qui vient sur la crête, effectivement. Mais par rapport, là, on est sur une technique d'ostéotomie plutôt sagittale et verticale, alors qu'on n'est pas sur une technique de rotation où là, on maintient quand même le contact osseux dans la partie linguale. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu différent à ce niveau-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça fonctionne avec des biomatériaux et notamment avec les xénogreffes. Alors, cette belle étude de Georges Coury en 2012 qui montre 31 patients traités, 32 ostéotomies axiales et de rotation. Et il utilise, lui, de l'os particulaire. Donc ça, c'est important aujourd'hui d'utiliser de l'os particulaire dans la mise en œuvre de la technique. Il utilise des plaques d'ostéosynthèse, des membranes de PRF pour améliorer la cicatrisation tissulaire, puisqu'il va falloir tracter pour venir suturer. Et là, c'est aussi la particularité de cette technique. Et les implants ont été positionnés à 4 mois. Le suivi a été de 18 mois à 5 ans, avec une hauteur de gain de 4 à 7 mm et de 3 à 4 mm pour un cas clinique. 82 implants placés, 100% de taux de survie pour ces implants. Donc, cela montre que ce greffon est un greffon qui a un bon volume et surtout une bonne qualité de revascularisation. Et surtout, ce qu'il démontre dans cette étude, c'est qu'il y a une différence au niveau des implants entre le choix d'un implant avec une connectique à hexagone externe et le choix d'une connectique plus stable en connemance. Là, j'ai une question de Thierry là, qui me demande un segment ou un greffon, mais en fait c'est juste pour bien préciser quoi. Ce sont des ostéotomies segmentaires, donc c'est pas des greffons d'apposition quoi. Je peux expliquer? Alors là, je vais un peu détailler la technique dorénavant. Donc en fait, il s'agit de travailler sur le même site. On va pas aller chercher un greffon que l'on va ostéosynthéser. On travaille sur le même site. On va faire deux ostéotomies verticales jusqu'à la partie interne et linguale. Et ici, vous voyez la partie du lambeau
qui est sur la crête et en lingual, qui maintient la vascularisation. Ici, on fracture en bois vert ce volet qui est élevé dans la zone au niveau vertical. Vous voyez donc le bios qui a été positionné dans cet espace médulaire qui saigne. Et vous voyez en coupe ici le schéma qui démontre de quelle manière, par rotation, on a un gain en vertical et en horizontal. Et là, vous voyez la cicatrisation, la parfaite intégration des particules de bios ici dans cette zone-là, qui montre le résultat et la qualité de l'os obtenu. Donc, vous allez voir une chirurgie. Donc, ce cas clinique a nécessité l'extraction de cette dent qui est parodontalement problématique, qui était mobile. Donc, extraction de la dent, l'incision décalée côté vestibulaire. Ici, on va délimiter le segment osseux que nous allons élever, qui est en arrière de la 5, toujours en arrière de l'émergence mentonnière. Ce n'est qu'à ce niveau-là que nous allons faire le déplacement du segment en vertical. Vous voyez le schéma que vous voyez à gauche avec les coupes coronales qui montre le déplacement que nous allons... Ah, excusez-moi. Petit problème. Voilà, je recommence, désolé, parce que je voulais faire apparaître les inserts OT12, inserts exceptionnels d'utilisation, un pouvoir de coupe incroyable qui nous permet très rapidement de dépasser la corticale assez rapidement. Ici, l'OTR8 qui va nous permettre de marquer exactement la position et l'angulation. Et ensuite, ici, le X1 qui nous permet d'éliminer les petits spicules osseuses. Et on va reprendre l'OT12 pour aller dans la profondeur jusque dans la partie linguale pour fragiliser cette partie linguale et ensuite faire la fracture en bois vert qui va nous permettre de maintenir le segment en tout cas attaché dans la partie linguale. Donc le petit schéma à gauche qui va vous montrer de quelle manière nous allons élever ce segment osseux pour qu'il atteigne le trait rouge dans sa partie supérieure. Et vous voyez la fracture, effectivement ici on a eu une fracture bien avant parce que je n'ai pas été suffisamment loin au niveau de l'utilisation de mon insert, mais ça n'a pas d'importance, on n'a pas totalement fracturé. C'est une fracture en bois verte qui a été délimitée un peu en avant de ce que j'avais imaginé. Mais là, on a en section, vous voyez quand même que cette mandibule est en baïonnette. Donc ça, c'est vraiment l'indication pour ce type de défaut. Jean-Carles, excuse-moi, qu'en est-il de la hauteur des vis que tu as mis en cristal là ? Alors, je la longueur toujours, des vis, pardon. La longueur, pardon. La longueur des vis sont des vis de 6 mm, qui vous donne déjà la hauteur que l'on espère obtenir dans ce déplacement, vous voyez, par mouvement de rotation. Donc, ce sont des vis de 6 mm. Alors, et ici, en utilisant le bios, on va fouler le bios qui va nous permettre aussi en poussant le bios, d'élever encore un peu plus, si l'on souhaite, le volet. Et là, on va suturer. Jean-Carles, je connais la difficulté qu'il y a à placer les vis, notamment la plus inférieure. Est-ce que tu as fait, explique-nous si tu as fait des incisions de demi-épaisseur ou au niveau de tes décharges pour avoir tant de laxité sur ton lambeau? Alors là, je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais nous allons utiliser une lame neuve et nous allons très délicatement sur un demi millimètre lacérer le périoste jusqu'à la décharge distale, et dans la partie la plus antérieure près de l'émergence nous allons plutôt utiliser un Metzenbaum pour continuer à donner plus de laxité à ce lambeau et pouvoir recouvrir et suturer. Et on me demande aussi, Guillaume demande, quelle plaque de sosynthèse, c'est quelle référence sur cette plaque? Alors, les plaques d'ostéosynthèse sont assez fines et assez petites, les vis également, parce que souvent, effectivement, vous avez vu dans la technique
de Pietro Felice. Il utilise des plaques de maxillo-faciale qui sont quand même assez grosses. Et pour ces techniques-là qui sont assez fines, je préconise plutôt la marque Mondéal avec ses micro-vis. Donc, si l'on continue sur le type de défaut aujourd'hui que l'on peut traiter. Donc vous avez à gauche le remplacement de deux molaires avec en section cette mandibule qui est en forme de baïonnette. Et pour le remplacement de deux prémolaires à droite, sur votre droite de l'écran, il vous manque deux prémolaires et deux molaires, vous avez une section à peu près ovoïde. Donc là, il nous faut un minimum de 4 mm pour pouvoir faire un segment en se gardant 2 mm de sécurité au-dessus du nerf alvéolaire inférieur. Donc, attention, la limite, c'est 4 mm. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a moins de 4 mm? Si on a moins de 4 mm que l'on fait donc un segment, à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec une épaisseur du segment tellement fine que ce segment va se nécroser. Donc, à moins de 4 mm du nerf, nous allons passer sur une technique de régénération osseuse guidée. Donc ici, sur ce cas un peu extrême, nous avons pu utiliser une grille que nous avons façonnée et que nous avons mis en selle, ce qui nous a donné le maintien de l'espace. Et vous connaissez bien sûr les principes de la régénération osseuse guidée, qui nécessite donc le maintien d'un espace à régénérer, une stabilité bien entendu d'un caillot, et là, la formation grâce à l'angiogénèse, vous allez avoir une belle formation ici de ce caillot stabilisé, et bien sûr cette membrane qui va stabiliser donc le greffon et le caillot. Alors, je voulais faire le parallèle, bien sûr, avec la technique d'ostéotomie segmentaire, puisque, en définitive, on est sur des techniques de régénération osseuse. Sur la technique segmentaire, vous allez élever le segment osseux qui va faire office de membrane. Et la difficulté, bien sûr, de cette technique, c'est recouvrir le site opératoire. Donc ici, vous avez différents mainteneurs d'espace. En haut, principalement des mainteneurs d'espace pour gagner en vertical et en horizontal, avec la technique à droite, la sausage technique décrite par Isban Urban, et à gauche, une technique décrite par Surmenian et Joseph Choukroun. Et en bas, vous avez plutôt des grilles. Vous pouvez utiliser les implants aussi comme piquet de tente pour faire votre ROG simultanément ou des vis, comme vous le voyez en bas sur votre droite, en mettant un mélange d'os autogène et de BIOS pour terminer. Voilà, ces nouvelles générations ici d'Ixos sont très intéressantes puisqu'ils vous permettent sur une planification de faire un modèle de sortir d'un modèle stéréolithographique issu du scanner et de prévisualiser l'augmentation souhaitée. Et nous avons eu la chance d'avoir Matteo Chiapasco qui fait un cours à Corte et en mars dernier qui nous a montré de formidables résultats de cette technique qui est à mon avis très intéressante. Alors, pour ma part, j'utilise les mêmes chaînettes mondiales, mais en forme de hache que je vais façonner, tel un artisan, et je vais l'appliquer sur ma crête. Et on fait ici un mélange de BIOS et d'os allogreffe, puisqu'il nous fallait beaucoup de quantité d'os. Et donc, on fait un mélange 50-50, et on met une membrane, bien sûr, BioGuide par-dessus. Et vous voyez donc le résultat de cette augmentation, ici d'un 3 implants tissue level. Alors Jean-Carl, j'ai une question de Pascal qui disait que Félix utilise plutôt des blocs au lieu du BIOS. Tu parles dans la technique d'interposition? Voilà, pourquoi on utiliserait du BIOS, nous, quoi. Alors là, on est dans la technique où, effectivement, on est dans la technique où on ne peut pas faire la technique d'interposition puisqu'on est à moins 4 mm. Donc là, je termine, on va dire, mon explication sur la technique de ROG. Après, je reviendrai sur cette question. Donc là,
on termine, on finalise ce cas. Ici, vous avez dans trois situations cliniques des implants tissue level et comme c'est un cas de réhabilitation occlusale, on est en temporisation, mais vous voyez quand même une excellente stabilité ici de ces implants dans l'augmentation par ROG. Giancarlo, excuse-moi. Tu viens de décrire une technique qui s'apparente un petit peu à la technique des grilles. Hein ? Alors, le principal reproche que l'on fait aux mèches, aux tailles mèches, enfin aux grilles, c'est la difficulté de dépose de la grille. Est-ce que tu rencontres les mêmes problèmes avec ce genre de plaque ? Alors, la dépose. Elle est moins importante en volume, cette grille. Donc, j'ai réalisé 4 cas cliniques avec cette grille. Je n'ai pas rencontré de problématique à ce niveau-là. J'ai eu une seule exposition. Cependant, le patient, j'ai préconisé donc un nettoyage avec de la chlorhexidine, une brosse post-opératoire, pendant 4 mois. Il n'y a pas eu d'infection. J'ai attendu à 5 mois, j'ai déposé cette chaînette et j'ai laissé un mois supplémentaire avant de poser mes implants. Donc, aucun problème en termes de contamination de la plaque pour cette technique-là. Alors, pour répondre à la technique donc la question de Jean-Michel à propos des blocs, nous avons opté pour la solution des particules de BIOS parce que c'est beaucoup plus simple d'utilisation que de tailler des blocs et d'essayer de les ajuster dans ces espaces que l'on va créer. Donc ici, vous allez voir deux cas cliniques que je vous ai montrés au départ qui ont été des cas pilotes que j'ai démarré en 2000. Excuse-moi, il y a peut-être aussi l'avantage de mettre des greffons particuliers, c'est que la revascularisation elle est beaucoup plus simple que sur un bloc. Parce que les problèmes quand on utilise des blocs, c'est la revascularisation du greffon, c'est ça? Oui, complètement d'accord avec toi, Pascal. Et aujourd'hui, je vous avouerai que je n'utilise plus de blocs osseux. Je réalise toutes mes augmentations par des techniques particulières d'ostéotomie ou de ROG parce qu'on se rend compte qu'en taillant des blocs, que ce soit en xénogreffe ou en allogreffe, le problème, c'est la revascularisation de ces greffons de par leur volume. Donc, on travaille beaucoup plus sur de l'os particulier, je suis d'accord. Donc, je vais vous montrer en détail ces deux cas cliniques qui ont un certain recul, puisqu'ils ont été réalisés en 2011 et 2012. Ils ont été nos premiers cas pilotes qui nous ont permis de développer cette étude à l'université. Donc, voilà ce premier cas avec cette section mandibulaire en baïonnette avec 4 mm d'os. Et vous allez voir comment nous allons faire donc ce déplacement du segment osseux. Et ici, vous voyez bien entendu le lambeau qui est sur la crête et en lingual, qui maintient donc le segment. Et puis la chaînette d'ostéosynthèse qui va marquer la hauteur que l'on souhaite obtenir. Et nous allons fixer ce segment osseux, nous souhaitons bien sûr avoir une fixation primaire, nous la testons comme au même titre qu'un implant. Il faut vérifier que ce soit bien stable au besoin, ajouter une vis de fixation. Ici, vous voyez que dans cette technique d'ostéotomie de rotation, nous gagnons en vertical, en horizontal, ce qui nous permet donc de mettre un implant ici de 6 mm. Au-dessus du nerf. Donc voilà. Giancarlo, excuse-moi, je reviens sur une chose. Là, on me demandait s'il y avait des prérequis en termes de gencive. Est-ce qu'on va faire, par exemple, une greffe épithéoconjonctive avant ou est-ce qu'il faut un minimum de gencive attachée pour faire Je vais en parler. En fait, ce sont ces premiers cas pilotes qui nous ont permis de faire évoluer la technique parce que nous sommes toujours dans des situations où il y a très peu de tissu kératinisé. Donc, sur les premiers cas, j'ai fait du un temps chirurgical et aujourd'hui, nous faisons, et surtout dans l'étude, nous avons préconisé plutôt du deux temps chirurgical qui va nous permettre, dans la deuxième phase, de gérer les tissus mous et obtenir des tissus kératinisés pour la stabilité dans le temps des implants. Donc ici, vous voyez, c'était donc mon premier cas clinique et on a un tissu qui n'est pas très kératinisé
Et ça a été effectivement l'idée. Bon, j'ai eu une très bonne stabilité avec ces implants Astra de 8 et de 6 mm, ce qui m'a permis à 35 newtons de mettre des pieds de cicatrisation, mais ce n'est pas le meilleur choix puisqu'il nous faudra un stade 2 pour pouvoir gérer les tissus mous. Voilà ce cas clinique à 4 ans. Et voilà le cas clinique et la radiographie à 6 ans. Alors, je tenais à vous parler de cette belle étude qui vient de sortir de nos amis avec Ronald Younes de l'université de Beyrouth au Liban, qui montre que les clés du succès des résultats et des taux de survie des implants courts se fait également par la solidarisation de la prothèse sur ces implants-là, qui d'un point de vue biomécanique vont permettre la rigidité et la stabilité de ces implants. Deuxième cas clinique où il nous manque deux prémolaires et deux molaires. Ici, on se retrouve dans une situation où on est à 4 mm du nerf. La technique est plus périlleuse parce qu'on a une perte dans le sens vertical plus importante avec la proximité ici donc, du plancher donc, et la langue qui nous gêne énormément dans cette technique. Vous voyez les émergences qui sont proches. Donc, toujours le segment doit être à 2 mm, 2 ou 3 mm, suivant le scanner, de cette émergence en distale. Attention, on a un segment qui vient en avant de l'émergence. Ce qui veut dire, excuse-moi, si tu dis ça, c'est que dans ces cas-là, on ne peut pas intervenir au niveau de la 5. Effectivement, on va jamais mettre d'implant en position de 5, puisque ce sont des cas assez sévères en général. On se retrouve avec très forte résorption au niveau de la 5. Donc ici, vous allez voir que dans ce cas, nous allons préconiser un implant en position de 4, suffisamment long, entre 4 et même 13 mm parfois, et deux implants courts en positionnant en 6 et en 7, jamais dans le site de la 5. Ici, vous voyez bien donc, le lambeau qui reste parfaitement adhérent au segment qui a été déplacé. Ici, le contrôle panoramique. Jean-Carl, Christophe me demandait tout à l'heure, excuse-moi, je te coupe. Oui. Si tu n'avais pas de problème pour repositionner le lambeau au niveau du site opératoire, au niveau de la fascie. C'est ce que j'ai expliqué un peu plus tôt. Tu as déjà répondu un petit peu là-dessus. Il faut bien sûr aller délicatement avec la lame, une lame neuve, j'insiste, et pas y aller comme un samouraï, bien entendu. Vous allez délicatement faire une légère lacération du périoste sur un demi-millimètre. Et vous vous arrêtez bien avant l'émergence, bien entendu. Et après, vous y allez avec un Mezenbaum pour encore faciliter la laxité de ce lambeau. Et on y arrive assez simplement. Voilà ici le gain que nous avons obtenu. Et vous voyez le bios ici. Et vous voyez l'ouverture qui nous a fait gagner en vertical et en horizontal. Donc, je vais assez vite maintenant pour terminer. Regardez la parfaite vascularisation de ce segment, toujours vascularisé, donc on est sur une greffe pédiculée, on n'a jamais perdu la vascularisation de ce segment déplacé. Vous voyez ici quelques particules de biomatériaux, et là on est assez serein parce qu'à 5 ans, vous voyez la bonne stabilité de ces implants, avec un os qui n'a pas cratérisé, comme l'un de mes premiers échecs que vous avez montré précédemment. Un autre cas clinique, ici un cas parodontal, assez sévère, puisque cette patiente, vous voyez, malgré très peu de support parodontaux, les dents sont assez stables. Cependant, on est très proche ici, il y a eu un peu de croissance osseuse, et dès qu'on perd les dents, on se retrouve très proche du nerf. Ici, deux implants, donc tissue level, en l'occurrence des implants Thomen, ont été positionnés dans la zone postérieure, et un implant donc en position de 36-37 et un implant plus long en 34 a été positionné. Voilà ce que nous avons obtenu en ouvrant ici la crête, en déplaçant notre segment dans le sens vertical. Voilà le panneau de contrôle cicatrisation. Voilà la réalisation de la prothèse. Les tissus sont, effectivement, on a eu
des difficultés à avoir des tissus kératinisés, mais nous avons suivi la patiente dans le temps et nous avons, ici vous voyez la stabilité marginale de l'os côté gauche, qui vous montre ici deux implants tissue level, un implant bone level avec une légère cratérisation, une parfaite stabilité sous les cols lisses. Donc, on fait une greffe épithélio-conjonctive parce qu'il nous arrive dans le temps, bien sûr, de suivre les patients. Et s'il y a un mauvais contrôle de plaque, nous allons améliorer le contexte. Oui, je t'écoute. Oui, excuse-moi, Antoine, nous demandait là, qu'est-ce qu'on va préconiser comme implant. Et moi, je te demanderai aussi quel diamètre d'implant on va. Alors, dans l'étude que nous avons lancée, que nous avons menée, il est préconisé de mettre que des implants de 4 mm ou de 4,5 maximum. Il ne s'agit pas de mettre des implants trop larges, alors que nous allons en mettre suffisamment en nombre et nous allons tout solidariser par l'intermédiaire de la prothèse. Il nous faut quand même suffisamment d'os en vestibulaire. Donc, évitez les gros diamètres de 5 et de 6. Voilà le contrôle radiographique en 2018, encore une très bonne stabilité, et en 2020, donc à 6 ans de recul, une parfaite stabilité. Donc on revient au premier cas clinique de départ, comment nous avons mené ce cas clinique, hein, vous vous souvenez, première diapo de départ. Ce cas clinique nous montre un gros affaissement vertical. Et la difficulté, bien sûr, de la technique, c'est le positionnement de l'ostéotomie horizontale par rapport au nerf. Quels sont les repères que nous allons vérifier anatomiquement pour pouvoir réaliser cette ostéotomie au-dessus du nerf? Ici, ben, vous voyez, donc, j'ai mal appréhendé le positionnement de mon ostéotomie puisque j'ai scalpé mon nerf, comme vous le voyez. Alors, je ne fais pas de tronculaire dans aucune de mes chirurgies osseuses, mais encore moins dans ce type d'intervention. Nous allons travailler proche du nerf. Donc, le patient en général réagit dès que vous approchez avec un insert de piézochirurgie. Donc, je vous conseille de ne pas utiliser des instruments rotatifs. Aujourd'hui, je ne comprends pas pour quelle raison certains de mes confrères continuent à utiliser des instruments rotatifs à l'ère de la piézochirurgie. Il suffit d'un cas pour avoir les pires problèmes. Donc moi, j'utilise la piézochirurgie depuis 2003-2004, comme Pascal, et nous l'utilisons au délit de Corté, bien sûr. Il n'y a absolument aucune raison d'utiliser des instruments rotatifs. On perd en sécurité. Donc ici, la patiente a réagi au moment où je me rapprochais du nerf, donc j'ai rectifié un petit peu la position de mon insert. Et ici, vous voyez, donc le trait rouge, c'est effectivement ce qu'il faut éviter de faire. Et on va avoir une orientation toujours en diagonale vers la partie linguale pour maintenir un segment mieux vascularisé. Voilà ce que nous avons eu. Donc, on a été limite en gain vertical et j'ai refait une petite ROG par-dessus parce que voilà, il me manquait un petit millimètre. Vous voyez la punaise ici. Donc, voilà le résultat. Donc, le deuxième temps, on me demande, c'est 4 mois après, Jean-Carlo. Alors, le deuxième temps, c'est 3 mois après. Alors, ici, 4 mois parce que j'ai fait un complément de ROG. Quand il n'y a pas de ROG, c'est 3 mois. Alors, très important dans le protocole, c'est de mettre les piliers au stade 2. C'est-à-dire, on ne met pas de pilier de cicatrisation hein, par rapport au cas pilote de départ. On met d'emblée un pilier prothétique pour faire de la prothèse vissée, pour sceller la connexion entre le plateau de l'implant et le pilier pour éviter les multiples déconnexions par les manipulations de prothèses et d'empreintes, etc. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que nous avons mis au point dans notre étude, le protocole de prothèse qui peut avoir une incidence sur les risques de périimplantite. Cette patiente n'a pas souhaité que je réalise une greffe épithélio-conjonctive, elle en avait un petit peu marre. Cependant, là, je l'ai revue, le cas date de 5 ans, je l'ai revue dernièrement, je dois programmer une greffe épithélio-conjonctive pour améliorer tout ça. Voilà le cas à 3 ans. Ici, ce n'est pas une perte osseuse ni une périimplantite, c'est juste que j'ai, avec la ROG, je suis arrivé au niveau des colisses implantaires et là, il y a un remodelage qui se fait sous
les colisses. Regardez ce cas. Malheureusement, cette patiente, je vais devoir lui enlever ses implants parce que la situation s'est encore dégradée. Et donc, lorsque je vais lui faire la greffe épithélioconjonctif secteur 4, je vais devoir retirer ses implants. La gestion d'un échec. J'ai eu un seul échec. Est-ce que tu attribues ça au fait que ce soit des bone levels? Non, j'attribue ça au fait que… pas du tout. J'attribue ça au fait que je pense qu'il y a une méconnaissance, à mon avis, des systèmes implantaires quand on commence avec un système. Et je pense que dans les préconisations des implants bone level, il n'est pas suffisamment souligné que ces implants doivent être mis à 1 mm sous la crête. Pour peu qu'on ait très peu d'épaisseur et qu'on évite, on essaie d'éviter l'augmentation osseuse, on se retrouve après à la mise en fonction déjà avec une petite perte osseuse qui va s'accentuer dans le temps après contamination du périimplant par les bactéries. Mais vous avez vu plus haut des cas que j'ai réalisés avec des bone levels, sauf qu'il faut les mettre à 1 mm sous la crête. La gestion d'un échec. Le seul échec sur 27 cas réalisés, c'est celui-ci. Donc, j'ose aussi le montrer parce qu'il est très intéressant et très fort d'instruction pour nous, pour améliorer nos techniques. Voilà ce que j'ai réalisé. En rouge, ce que j'ai réalisé, ce qu'il fallait réaliser, c'était plutôt le trait bleu, c'est-à-dire être beaucoup plus lingual ici et en diagonale. Donc, en fait, mon segment osseux était trop fin. Et à partir de là, douleur post-opératoire, très mauvais signe, exposition. Là, vous savez que vous perdez votre greffon. Nous avons donc déposé. Mais fort heureusement, nous avons eu un plan B. Une technique de ROG. Ici, vous voyez le segment et la nécrose. Mais vous voyez la situation. Bien sûr, elle est pire qu'avant. Nous avons mis des vis en piquetante à 45 degrés, fait une augmentation avec l'os autogène, BIOS, une membrane. Et nous avons positionné ici trois implants tissue level. Vous voyez le jour de la pose. Bonne stabilité primaire qui m'a fait positionner mes piliers de cicatrisation, ce que je n'aurais pas dû faire. Et nous avons réaménagé les tissus avec une belle greffe épithélioconjonctive pour favoriser le contrôle de plaque. Et ce qui est frappant, là, c'est vraiment la différence d'aspect entre la ROG à la réouverture et l'ostéotomie de rotation. C'est vraiment flagrant. On voit que la qualité osseuse est complètement différente. Ah, complètement. Effectivement. Complètement. Alors peut-être que ça aura peut-être une influence sur le devenir de ce os. En cas d'infection périimplantaire, peut-être que tu vas en parler après, non ? On va en parler, effectivement. D'accord. Il y a une belle étude là, qui vient de sortir, une étude animale d'Olivier Carcuat qui parle des risques effectivement de périimplantite en fonction du type de qualité osseuse obtenue dans les greffes suivant les techniques. Voilà ce cas clinique avec une belle stabilité dans la ROG à 4 ans, avec des implants courts, prothèse solidarisé. Et cette étude très intéressante de Matteo Chiappasco qui nous montre en 2014 qu'il y a quand même sur 192 implants positionnés suite à des greffes en onlay, il y a eu 97 implants en tissue level et 95 implants en bone level. Et donc, on a eu 100% de taux de succès sur les implants en tissue level par rapport aux implants bone level. Donc, ce qui montre que sur des greffes osseuses, il est préférable de préconiser des implants bone level avec moins de risques au niveau périimplantaire. En tout cas, aujourd'hui, c'est mon choix. Les avantages de cette technique. Donc, une augmentation verticale qui va nous permettre, bien sûr, d'augmenter en vertical et en horizontal. Pour moi, aujourd'hui, c'est une technique qui devient une technique de routine assez simple parce que on commence à avoir un peu d'expérience sur le sujet et bien évidemment sur ce cas qui n'est pas un cas sévère, que c'est un choix de technique que je préconise de plus en plus parce que c'est 45 minutes d'intervention montre en main avec les sutures pour arriver à faire cette élévation de segment osseux, un déplacement qui va permettre une bonne vascularisation
de ce segment. Le BIOS qui est maintenu en place. Alors, l'intérêt du BIOS, effectivement, dans le choix, c'est qu'effectivement, je souhaite obtenir aussi une augmentation dans le sens de la largeur, donc dans l'épaisseur, dans la largeur, et le BIOS se résorbe peu. Donc, avec machinette plus le BIOS et une membrane, on arrive à avoir des gains entre 2 et 4 mm en épaisseur grâce au BIOS, alors qu'avec un os type allogreffe ou autogène, il y aurait vraisemblablement plus de résorption. Oui, Nicolas me demandait pourquoi ne pas faire un complément avec de l'os avec un scraper sur le même site, quoi. Aucun intérêt en termes de durée d'intervention. Et en tout cas, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est être le plus rapide possible, le moins invasif. Le plus rapide dans la chirurgie, c'est moins de risques de contamination, moins de suite post-opératoire. Parce que ces interventions, là, je peux vous dire qu'il y a très peu d'œdème, peu de douleur. Alors qu'une greffe d'apposition, j'ai vu beaucoup de problématiques, d'hématomes, de choses très, très compliquées. C'est assez inquiétant pour les patients. Donc, un seul site d'intervention, donc il n'y a pas de morbidité vis-à-vis d'un greffon que vous allez prélever, et une technique qui est, pour ma part, rapide et moins invasive. Donc, cette étude qu'on a lancée sous l'impulsion de Pascal et David, c'est une étude sur l'ostéotomie segmentaire, et on voulait déterminer quelle était la prévisibilité de cette augmentation dans le sens vertical et horizontal, donc les taux de succès de la technique, et aussi les taux de succès implantaires dans ce nouvel os formé, bien entendu, et bien sûr, est-ce que cette technique pouvait diminuer les risques de périimplantite. Donc, le contrôle et le maintien du niveau osseux a été contrôlé à 6 mois, 1 an et 2 ans. Les critères d'inclusion ont été donc le patient avec une bonne santé, un patient non-fumeur, en tout cas une consommation à 5 cigarettes, le remplacement des dents postérieures, prémolaires, molaires, et des crêtes édentées avec une cicatrisation au moins à 4 mois. Dans le matériel et méthode, on a voulu un échantillon entre 15 et 20 patients. Au final, on a traité beaucoup plus de patients, vous le verrez. La hauteur résiduelle minimum au-dessus du nerf est de 4 mm. L'utilisation de la piézochirurgie est fortement recommandée, mais nous l'avons utilisée, bien sûr. Nous n'avons que cette instrumentation à corter. Les ostéotomies, elles ont été que de rotation dans ces techniques-là. Et on a fait un cone beam à 4 mois et la pose d'implant à 5 mois, que vous allez voir de suite, après le contrôle scanner, bien sûr. Ici, c'était la première chirurgie que vous avez vue avec le contrôle scanner en fin de chirurgie. Et vous voyez la cicatrisation de ce volet osseux et la planification des implants. Voilà la chirurgie. Alors, en haut, vous voyez le scanner de départ avant l'ostéotomie. Vous voyez la qualité osseuse. Nous ne voyons plus les grains de biomatériaux. Nous avons gagné en hauteur par rapport au site d'extraction qui était au niveau de la 5. Vous voyez, on s'est remis à niveau par rapport à ce site d'extraction. Et en haut, vous allez voir le gain que nous avons obtenu. Excusez-moi. Voilà. On revoit la chirurgie. Vous voyez en haut le gain que nous avons obtenu en vertical et en horizontal. Donc, vous voyez, quand nous allons passer les premiers forêts, vous allez voir de suite une parfaite vascularisation, un bon saignement, ce qui démontre que nous allons avoir une bonne qualité osseuse et un os qui sera vraisemblablement stable dans le temps. Alors, Jean-Carl, une petite remarque. Là, tu viens de montrer que un superbe résultat dans le cas où on avait une mandibule un peu en baïonnette. Oui. Hein? Est-ce que tu penses que cette situation-là de baïonnette est plus favorable pour l'utilisation de la technique qu'une autre configuration anatomique ? Je pense qu'effectivement, c'est la meilleure indication, à mon sens.
augmenter en vertical et en horizontal sur des formes comme ça en baïonnette de la mandibule, tout à fait. Plus favorable qu'une sausage technique, à mon sens. Fabrice me demandait tout à l'heure pourquoi ne pas aller directement sur les ROG. Alors, je pense que avec cette vidéo et l'entrée qu'on fait dans cette os, on pourra... Alors là juste, je finis l'explication. Là, ce sont des implants de 6 en longueur et de 4,5 mm de diamètre, des implants avec des colisses de 1 mm. Et là, vous voyez qu'on voit la surface rugueuse de cet implant. Donc, on n'hésite pas à compléter l'augmentation avec une mini régénération osseuse, seulement avec du biomos et une membrane. Ça, c'était un cas qu'on avait réalisé lors d'un cours en direct. Voyez. Il nous arrive bien souvent dans des techniques d'augmentation de devoir faire un complément de greffe et on peut le faire simultanément à la pose des implants. Voilà. Donc, en matériel et méthode, ce qui est important, c'est qu'à 3 mois, nous réalisons la mise en fonction quand il n'y a pas de complément de greffe, bien entendu, et on va tâcher de faire des lambeaux en demi-épaisseur pour essayer de gagner en muqueuse kératinisée. Et le point important, qui est à mon sens crucial, c'est de devoir mettre les piliers intermédiaires de type multinite que l'on va plus déconnecter à ce stade pour éviter effectivement la rupture des attaches au niveau mucopérosté. Donc, cette étude très intéressante que je vous conseille de lire qui démontre qu'une fois que les implants, les piliers sont positionnés le jour de la chirurgie ou le jour de la mise en charge immédiate, va réduire les risques de remodelage osseux, que ce soit sur des implants en switching platform ou que ce soit des implants du même diamètre. Donc, c'est ce qu'on a préconisé dans l'étude. Voilà le résultat de ce cas clinique qui a été réalisé par un de mes confrères, Cyril Maté, ici, et la stabilité marginale de l'os. Donc, chose très importante, c'est qu'on a voulu savoir quelle était la qualité de cet os. Donc, au centre hospitalier de Tatton, lors d'une intervention sur une patiente de Jean-Michel, nous avons fait le prélèvement histologique ici, donc par un carottage dans cette zone-là. Et ensuite, nous avons pris le dernier foret terminal et positionné l'implant lors de la même chirurgie. Quels sont les résultats histologiques? Ils sont très intéressants. Vous voyez la partie orange qui est l'os, le segment osseux qui a été déplacé dans le sens vertical, qui montre une bonne vascularisation avec surtout, ce qui le montre, ce sont les ostéocytes que l'on voit ici, qui montrent que c'est un os qui n'est pas un os mort, un os bien vascularisé. Ici, vous voyez de l'os natif au milieu des particules de bios. Ici, vous voyez donc l'os régénéré accolé ici aux particules de bios. Et vous allez voir en gros plan à nouveau quelque chose de très intéressant. C'est ici de l'os de Movenbone qui est en devenir avec des ostéocytes ici qui sont proches des particules de bios en voie de résorption. Donc ça, c'est très intéressant de savoir quelle était la qualité de cet os et de nous conforter dans l'idée de continuer sur cette technique. Alors, je voulais vous présenter nos résultats de l'étude que nous allons prochainement publier. Nous avons traité, personnellement, dans le cadre privé, 20 patients, 20 techniques de greffe, 7 réalisées à Tatton. Et donc, nous avons fait 27 greffes osseuses par cette technique, dont 4 bilatérales. Nous avons gagné entre 3 et 5 mm dans le sens vertical et en horizontal entre 2 et 4 mm. Le reclic clinique que nous avons est de 20 mois à 8 ans. Les types d'implants sont de diamètre 4 mm, maximum 4,5 mm, donc il y a eu différents systèmes implantaires, mais l'essentiel des implants ont été des implants Astra et Tomen. 74 implants ont été posés, entre 2 et 3 implants par secteur. La prothèse a été solidarisée sur ces implants. Il n'y a pas eu de cas unitaire. Une bonne stabilité marginale de l'os a été observée et un seul échec de cette technique que nous avons traité par une technique de ROG.
et nous avons à ce jour aucun échec. Alors, je voulais, pour faire un clin d'œil à la prochaine communication d'Olivier, vous parler de la navigation dynamique et de l'intérêt qu'elle peut avoir sur cette technique pour la sécuriser. Donc, le système Navident est un système de navigation qui nous permet aujourd'hui de brancher et de se connecter soit avec un contre-angle chirurgical ou un contre-angle d'endo éventuellement, si vous voulez faire de l'endo, soit avec la pièce à main de piézochirurgie. Et vous allez voir donc comment on a pu mener cette intervention. Ici, lors de la réalisation du scanner, nous avons tracé ici le segment osseux que nous allons réaliser. Donc, nous avons fait une planification ici. Vous le voyez, les traits rouges. Et nous avons donc les repères. Nous essayons de les mentaliser. Et à partir de là, nous allons travailler ici sur. Nous allons donc avoir trois points de référence qui vont nous permettre de connecter notre pièce à main de piézochirurgie avec le capteur. Et à partir de là, nous allons utiliser les inserts de piézochirurgie pour faire nos ostéotomies verticales et l'ostéotomie horizontale. Vous voyez travailler l'insert de piézochirurgie. Très intéressant, vous voyez la découpe, vous voyez l'élément anatomique en violet à éviter, bien entendu. Et là, nous sommes donc en chirurgie dynamique, ce qui nous permet à l'instant T de savoir très exactement où nous nous trouvons. Nous allons effracter l'os au niveau des ostéotomies verticales pour arriver carrément sur le tissu, le lambeau-lingual, sans risque de déchirement. Vous voyez donc en rouge, l'insert clignoté en rouge, dès qu'on se rapproche du nerf. Donc, et à partir de là, nous avons une possibilité de contrôler très exactement ce que nous faisons. Et à l'inverse des chirurgies statiques, où nous avons un guide, où nous devons nous fier au guide, il peut y avoir certaines imprécisions dans la réalisation du guide. Ici, vous voyez donc la dernière ostéotomie qui va se faire à 2 mm du nerf. Vous le voyez, l'insert travailler dans ce secteur-là. Pour continuer, vous voyez, à faire le tracé de l'ostéotomie en partie basse. Ça, c'est très intéressant comme possibilité aujourd'hui pour améliorer la sécurité de cet acte qui, à mon sens, va devenir de référence pour les greffes dans les zones postérieures. Donc là, je vais vous montrer le cas, la panoramique de contrôle. Et ce qui nous est arrivé ici, c'est que la partie du segment distal s'est un peu détachée du lambeau et il nous a fallu faire une fixation secondaire avec une vis d'ostéosynthèse parce que, comme je vous le disais précédemment, ce qui est important, c'est d'avoir une stabilité primaire de ce greffe. Ce qu'on améliore aujourd'hui, c'est qu'effectivement, après avoir mis la membrane BioGuide, nous allons mettre des membranes de PRF pour pallier au risque d'exposition, que nous n'avons pas eu jusqu'à aujourd'hui, mais c'est un plus pour sécuriser la cicatrisation, puisqu'à une semaine, nous avons une cicatrisation de 15 jours, donc moins de risque d'exposition. Et ici, la planification de deux implants en céramique, en zircone, de 8 mm, que nous allons réaliser prochainement, avec des préparations à la piézochirurgie. On aura à faire un tout petit complément ici, vraisemblablement par ROG, puisque nous sommes un petit peu proches ici, mais rien de problématique. Nous savons compléter tout cela. En conclusion, cette technique, pour ma part, présente des avantages d'être la moins invasive par rapport aux techniques d'apposition que j'ai pu réaliser pendant une bonne quinzaine d'années. Les techniques de greffe d'apposition sont des techniques quand même très compliquées à mettre en œuvre et très traumatisantes pour les patients. Il semble que cette technique nous donne de meilleurs résultats en termes de qualité d'os obtenu, puisqu'en fait, c'est de l'os natif qu'on va déplacer verticalement, dont on n'aura pas perdu la vascularisation, ce qui nous permettrait de réduire la taille des défauts lors de la survenue d'une périimplantite, selon cette excellente étude d'Olivier Carcuel, que je vous conseille de lire. Et au final, c'est une technique qui me semble aujourd'hui rapide, prévisible,
à partir du moment où on la réalise régulièrement, il faut accepter la courbe d'apprentissage et l'utilisation optimale de la piézo et éventuellement de la navigation dynamique pour pallier au risque anatomique de cette technique. Je vous remercie de votre attention. Bien. Donc là, on a quand même beaucoup de temps pour des questions. Jean-Michel, est-ce que tu as d'autres questions? J'ai pas mal de questions que je n'ai pas pu poser. Oui. Donc, notamment, bon, j'avais une question de Raphaël qui me disait pourquoi pas, dans des cas extrêmes, ne pas se référer à ce que fait Yvan Poitras et faire des supériostés. Yvan Poitras, qu'est-ce qu'il fait? Tu me disais, pardon, je n'ai pas entendu. Les implants juxtaosseux. Je pense que ça fait partie des anciennes techniques qui ne reviendront plus. Les implants mucopériostés, bon, on n'a pas d'osteointégration, la fibro-intégration, je ne vois pas trop l'intérêt. Je ne vois pas du tout l'intérêt. Je pense qu'aujourd'hui, la compréhension des modes de cicatrisation de l'os nous permet de comprendre que l'on peut être le moins invasif possible. Avec les technologies actuelles, nous pouvons sécuriser au maximum nos chirurgies. Donc, aujourd'hui, j'opterai pour des techniques de ce type-là qui vont permettre de déplacer les segments osseux dans les zones postérieures. Et aussi, on pourrait travailler dans les zones antérieures puisque j'ai commencé à traiter des cas antérieurs et qui sont quand même sur des résultats très intéressants. Après, j'avais une question sur la position de la chaînette et des vis. Pourquoi ne pas positionner la vis? Attends, j'essaie de revenir sur la question au moment avant de, tu vois, au moment de l'ostéotomie. Tu vois, quand tu positionnes tes vis sur la chaînette, pourquoi ne pas visser la chaînette? Frédéric demandait ça sur la partie supérieure avant la fin complète de la segmentation. Pourquoi pas? Cependant, le problème, c'est que si on la fixe avant la fin du déplacement du segment, le problème, c'est que cette chaînette doit avoir une certaine forme. Et la forme, on doit la donner en fonction du déplacement du segment dans le sens vertical. Donc, je ne sais pas comment on peut, on va dire, anticiper tout ça. Soit au départ, elle est plane, cette plaque. Elle est principalement en Y. Et si on la laisse plane et on commence à la visser, je suis d'accord. Mais après, comment faire les mouvements avec une pince? J'utilise une pince d'ortho que j'ai sur ma table de chirurgie qui est stérile pour la façonner. Si je fais ce mouvement en bouche une fois que c'est vissé, je vais désinsérer mon segment du lambeau. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt. D'accord. Après, j'ai une question de Mathéo, mais je pense que tu lui as répondu en partie parce qu'il me demandait par rapport au maintien de cet os alvéolaire augmenté verticalement. Est-ce que, à votre avis, vous avez un... Ah mince, c'est parti. Excusez-moi, j'ai du mal à revenir dessus. En fait, si on avait toujours la même qualité d'os, si tu veux, par rapport au déplacement, on a vu grâce aux coupes histologiques que c'était le cas, quoi. Ben oui, je pense qu'aujourd'hui, les coupes histologiques clairement nous montrent, nous confortent dans l'idée de continuer sur ces techniques-là. Je n'avais aucune certitude. La seule certitude, c'était le contrôle de cicatrisation des implants à 4 et 5 ans qui nous montraient que ça se comportait bien. Mais c'est vrai que le fait d'avoir fait des coupes histologiques et avoir la preuve que c'est finalement un os natif qui est maintenu dans la partie coronaire de l'implant, je pense que ce sont des techniques sur lesquelles il va falloir compter de plus en plus. Voilà, une question de Thierry aussi sur les indications. Donc, est-ce que c'est vraiment entre 7 et 4 mm d'os au-dessus du nerf? Non, je disais qu'en fait, il faut un minimum de 4 mm au-dessus du nerf pour préconiser la technique. C'est-à-dire que si on a 7 mm au-dessus du nerf, on va mettre des implants courts. Ce n'est pas la peine nécessairement d'aller faire une chirurgie d'ostéotomie. Si on a 7 mm au-dessus du nerf, on a des implants de 6 ou 6,5. On peut les positionner. Pardon ? On va dire entre 4 et 6 alors, au-dessus du nerf. Il faut...
4 et 6, je fais l'intervention. Tout dépend, on va dire, du plan de traitement. Est-ce que c'est une dent unitaire? Est-ce que c'est un secteur entier qui manque? Je pense que ça dépend aussi de l'édentement, hein, qui va nous faire faire le choix plus d'une technique ou d'une autre. Et puis, j'avais une dernière question de Jérôme, je crois. Mais ça, c'est une question actuelle, quoi. C'est par rapport à l'aérosolisation avec les piezo, comment on va faire dans nos chirurgies demain, dans nos cabinets, quoi. Ah oui, très bonne question. Bon, je pense qu'on fera des tests séro avant. Et... Disons qu'aujourd'hui, on va dire que dans une chirurgie osseuse et une chirurgie implantaire, on est depuis toujours dans des blocs opératoires. On a l'habitude d'être habillé complètement. Là, il nous faudra mettre des visières pour encore améliorer les risques de projection. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est toutes les techniques. En fait, je veux dire, c'est plutôt la procédure en amont qui est importante, ce qu'a préconisé Jean-Paul, qui est important avant de mettre nos patients dans les blocs opératoires, savoir dans quel état ils sont, je pense. Giancarlo, est-ce que il y a une prémédication particulière pour ce genre d'intervention? Et aussi, est-ce que en post-op, la douleur doit être gérée de façon différente par rapport aux interventions classiques que nous faisons en implantologie? En fait, c'est exactement les mêmes prémédications que pour un comblement. Pas que pour un comblement de sinus, on est quand même à 10-15 jours d'antibiothérapie. Non, je préconise plutôt 8 jours d'antibiothérapie classique, amoxicilline, corticoïde, oui, ça c'est sûr. En fonction de l'importance de l'œdème, au moins le jour de l'intervention et poursuivre jusqu'à 4 jours post-opératoires suivant l'importance de l'œdème. Si le patient n'est pas très gonflé, il arrête au bout de 2 jours les corticoïdes. J'ai noté très peu de douleur. Les patients prennent à peine du doliprane. Donc, au niveau suite de douleur, en fait, quand il y a une vraie douleur, c'est qu'il y a, une complication osseuse. C'est que, comme vous avez vu, le cas où j'ai perdu le greffon, quoi. Mais sinon, j'ai noté très peu de douleur. Est-ce qu'en matière d'œdème, est-ce que l'œdème est réduit par rapport à une greffe d'apposition? Oui. Divisé par 2 en termes de suite opératoire par rapport à une greffe d'apposition. Parce que de toute manière, le temps opératoire est beaucoup moindre. Une greffe osseuse, surtout en 3D, va nécessiter la préparation du greffon, la stabilisation, etc. Donc, ce n'est pas 45 minutes montre en main. Donc, plus l'intervention dure, plus les suites sont importantes. Et puis, quand on fait une ROG comme une greffe d'apposition, on va aussi travailler le lambeau lingual, on va le lacérer, on va augmenter les risques de saignement. Alors que là, cette technique-là, on va travailler que sur le lambeau vestibulaire, donc il y a quand même moins de risques de saignement et d'hématomes. Par rapport, comme tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que à partir du moment où on instrumente en lingual de façon à décoller le plancher et séparer la muqueuse du milieu œillien, il y a souvent des douleurs post-opératoires au moment de la déglutition. Hein, ça, c'est exactement, des formations d'hématomes, douleurs à la déglutition, etc. Oui, tout à fait. Là, j'ai une dernière question de Nicolas qui me demande s'il y a un intérêt à utiliser une chaînette aussi rigide alors qu'avec un matériau qui est très dense et une membrane pincée, ça ne suffirait pas, quoi. Effectivement, j'entends bien la question. J'ai eu un cas clinique nous avons fait en direct. C'est pas un film que j'ai monté pour l'instant, mais que je montrais, qui montre qu'en fait, en fonction de l'anatomie du segment, on peut éviter l'utilisation de chaînette. C'est-à-dire, si on a une base du segment qui est trapézoïdale, c'est-à-dire plus large à la base, et que l'on va élever le segment, on va le coincer lors de l'élévation du segment. Il va y avoir une friction lors de l'élévation qui va faire que ce segment va se bloquer lors de l'élévation. J'ai eu le cas de figure sur un cas que j'avais fait en direct, que je monterai bientôt. J'ai mis la chaînette, mais j'aurais pu éviter de mettre la chaînette parce que le simple fait d'avoir eu cette friction m'a stabilisé le segment. Mais sincèrement, par sécurité, je préfère mettre ma chaînette. Parce que là, je crois que la question, c'était surtout de savoir si on peut stabiliser le segment élevé avec une membrane collagène pincée, comme dans une technique de ROG.
Ah. Voilà. Mais le problème, c'est qu'apparemment, quand on fait des techniques de ROG, on est obligé de pincer en lingual, ce qui n'est absolument interdit. Moi, sincèrement, l'utilisation des pins, j'évite surtout en bas, en cortical. C'est extrêmement difficile de mettre des vis. Donc, en général, quand je fais mes techniques de saucage technique, je fais un mixte entre quelques punaises et des sutures. Mais mettre autant de pins en cortical quand il y a de fortes résorptions, c'est extrêmement compliqué. D'accord. Jean-Michel ? Encore une question d'Antoine qui me demande pour la greffe épithoconjonctive, à quel moment on la fait et si on fait un approfondissement vestibulaire. Est-ce qu'on fait un approfondissement Alors, à quelle fréquence faut-il compléter l'ostéotomie par une greffe épithéoconjonctive ou un approfondissement vestibulaire? Ouais, alors après, lors du contrôle de la cicatrisation, effectivement, il y a des situations extrêmement sévères. Je n'ai pas tendance à faire des greffes épithélio-conjonctives avant la chirurgie osseuse. Je ne le fais pas, surtout dans les cas sévères. On n'a pas de point d'appui de ces greffons. Et j'ai fait un cas comme celui-là, effectivement, avec les tensions. Finalement, le greffon épithélio-conjonctif et c'est mis côté lingual. Donc, pour ma part, je ne le fais pas. Je préfère éventuellement, si je dois augmenter les tissus, le faire au stade où les piliers sont en place, ou même je demande aux confrères de réaliser la prothèse et je fais ma greffe secondairement. J'explique aux patients qu'il faut faire un complément d'augmentation tissulaire pour la viabilité du résultat. Et le patient revient avec son bridge. Et là, j'ai une technique très facile. Je fais donc un approfondissement vestibulaire. Je mets mon greffon épithélio-conjonctif. Je mets 3 points de suture et je mets un pack de parots plaqué sur les dents. Et c'est indolore pour les patients. Mais effectivement, il faut contrôler toujours d'avoir de l'épithélio-conjonctif dans cette zone. Moi, dernière question, si, je ne sais pas si on l'a évoqué, dans un os très corticalisé, est-ce qu'on peut envisager la technique? Alors, il est vrai que dans l'os très corticalisé, c'est-à-dire si on fait une section de la mandibule et qu'on voit qu'au milieu de l'os, on a très peu de spongieux, je vais plutôt basculer sur une technique de ROG. Parce que pour aller sectionner tout ce segment en cortical, c'est extrêmement compliqué, extrêmement long. Donc, dès que la densité devient trop importante de type 4, je vais plutôt faire de la ROG. De type 1 plutôt. Quand on a une dose de type 1 plutôt que 4. De type 1, excuse-moi. Oui. De type 1, désolé. Effectivement, ce qui est important d'analyser la qualité de l'os avant de préconiser soit la technique d'ostéotomie, soit la technique de ROG. Je ne les oppose en aucun cas. Pour moi, ce sont des techniques complémentaires. Et en fonction de l'analyse du défaut et de la qualité osseuse, je vais basculer sur l'une ou l'autre des techniques. Bon, moi, je pense que ce sera la dernière question pour moi de Pascal. Et si on peut essayer de mélanger parfois du BIOS avec du PRF pour faire des sticky bones dans ces zones, quoi. Ça, c'est pour éviter la technique, tu veux dire, d'ostéotomie? Non, c'est peut-être que d'utiliser de l'os particulier, placer des sticky bones, je ne sais pas exactement. Pascal, je ne vois pas trop l'intérêt. Je ne vois pas trop l'intérêt. Ce n'est pas quand même un volume très important que l'on doit combler. C'est maximum 0,5 g de BIOS. Donc après, alourdir la technique avec ça. Oui, si j'ai fait un prélèvement de PRF, pourquoi pas, je l'associe. Mais comme il y a un tel apport vasculaire à ce niveau-là dans cet espace médulaire, ça peut être un plus, mais je ne suis pas sûr que ce soit un intérêt supplémentaire. Moi, ce qui est important, c'est le temps opératoire. Est-ce que tu privilégies une granulométrie plutôt qu'une autre? Je préfère mettre des petites particules. Parce que si on met des grosses particules, j'ai peur de ne pas en mettre suffisamment dans la partie la plus linguale. D'accord. Donc, Jean-Michel, tu as d'autres questions, non? Pascal revient sur Sticky Bone, il dit qu'il est plus facile à poser, mais bon, là, dans ces conditions, c'est vrai que le BIOS, on va très vite aussi. Non, moi, j'en ai fini avec les questions. Je vous remercie à tous pour vos questions.
Alors, je vais peut-être faire un petit résumé, Jean-Carl, tu me corriges si je fais des erreurs, hein, ou si tu veux apporter quelques d'autres précisions. Donc, cette technique-là semble peut-être plus intéressante en cas de mandibule en forme de baïonnette pour avoir une bonne augmentation verticale et horizontale. Le point clé, c'est la bonne orientation de l'ostéotomie horizontale, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit oblique en bas et en dedans, plutôt que strictement horizontale, parce qu'il y a des risques de séquestration. D'accord ? Très bien, oui. Parfait. On va utiliser des implants de diamètre 4 ou 4,5. On va essayer d'éviter les implants de diamètre supérieur à 4,5, donc. D'accord ? Oui, tout à fait. Des implants bone level. Ou tissu level. Alors, tissu level, si possible. Tissu level, d'accord. Tissu level, pour avoir une bonne jonction épithéliale, une bonne attache épithéliale au niveau des tissus mous. Hein. Tout à fait. Donc, et la greffe, les augmentations de tissu, les modifications quant au phénotype gingival, c'est-à-dire les apports de gencives kératinisées, plutôt après l'intervention et après la pose des implants. C'est ça ? Tout à fait. Parfait. D'accord. C'est un bon résumé de ce que j'ai évoqué. D'accord. Donc, et aussi, l'avantage éventuel de cette technique, mais ça, c'est à démontrer par des études de split mouth éventuellement, c'est on peut peut-être réduire non pas le risque de la survenue des périimplantites, mais on peut peut-être en s'appuyant sur l'étude de Carquac, peut-être réduire la taille des défauts en cas de périimplantite. C'est ça ? C'est bien ça. Cette étude, je vous conseille de la lire attentivement. Elle montre quand même très nettement sur… Bon, ce sont des études animales, mais si on pouvait faire maintenant les mêmes études sur en double aveugle sur des patients, on pourrait… Avoir la possibilité de confirmer les dires d'Olivier Carquac. Tout à fait. Et aussi, en conclusion, en s'appuyant sur cette superbe étude, je suis tout à fait d'accord avec toi, je l'ai lu aussi, l'étude de l'Université de Beyrouth, de l'Université de Saint-Joseph, l'équipe de Ronald Younes, il est intéressant de splitter les implants courts dans la mesure où on prévient quand même les complications biomécaniques dû justement à l'augmentation du bras de levier en cas d'utilisation d'implants courts et d'espace prothétique augmenté. C'est ça ? Tout à fait, oui. Cette étude montre bien qu'il y a quand même une condition importante à la pérennité de ces réhabilitations dans le fait de splitter les implants courts dans les zones postérieures, qu'elles soient maxillaires ou mandibulaires. En plus, ce qui est aussi important, c'est que pour la réalisation prothétique, c'est difficile de gérer les points de contact quand on fait des dents unitaires aussi. Ça, c'est un élément important. Bien, je pense qu'il est temps maintenant de nous quitter. Alors, je voudrais tout simplement vous rappeler quand même le prochain webinaire qui aura lieu donc le 1er mai à 10h30. C'est celui d'Olivier-Henri Savajol qui nous parlera de l'intérêt de la navigation en implantologie, des techniques de navigation en implantologie. Je voudrais aussi vous annoncer quand même un autre webinaire qui sera le dernier que nous avons mis en plus. On a organisé, donc qui n'était pas prévu au départ, mais que vu le succès du premier sur la sortie du déconfinement, on fera ça sous forme de débat entre Franck Renoir et Jean-Paul Mangion. Comment sortir du déconfinement et surtout comment protéger au mieux nos patients et nos personnels soignants dans le cadre de cette sortie de déconfinement. Donc, je voudrais remercier donc une fois de plus les sociétés Gestich et IPP pour leur soutien, ainsi que French Touf pour cette collaboration et vraiment cette technique. On ne peut plus parfaite parce que vraiment c'était super. Merci à l'Odois
pour son soutien au niveau technique. Donc, je vous donne rendez-vous à le 1er mai, donc à 10h30, pour le webinaire de Olivier-Henri Savajol. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt. Merci. Allez, au revoir à tous. Au revoir. À bientôt.